y a eu une panne dans le prompteur ce matin. Apparemment, c'est impossible de charger le contenu du cours. Ah bah écoute, je vais essayer quand même parce que pas de cours, pas de paiement, hein, c'est une nouvelle règle. Oui. C'est sur l'armée napoléonienne, il doit me rester quelques souvenirs. Bah, bon courage, bon jour, Nance. Merci. On se voit tout à l'heure. J'ai acheté un poisson hier. Enfin, une poissonne. Mais j'ai complètement oublié de lui acheter de la nourriture. Ah bah si tu veux, on peut partager parce que il y en a pour un siècle dans cette boîte. Pourquoi pas? Et aller boire un verre? Ah bah bien sûr, entre collègues et aquariophiles. On commence une histoire d'eau en quelque sorte. On va chez toi. Ah. Ah oui. Votre poissonne est polissonne. Prévenu papa maman? Non, je peux pas leur dire, papa maman. T'imagines? Bon. J'ai l'impression que ça venait à peine de commencer et puis là. Bam. Tu sais ça depuis quand? Je sais ça depuis 3 mois. En fait, j'ai dû mettre 1 mois à juste aller oser voir un médecin. Je sais, c'est pas grand chose, mais franchement, c'est le truc qui me fait tenir. Ça s'est bien passé? Ouf, oui, c'était un cours d'histoire. Ça me change des maths. T'as pas oublié de charger le prompteur? Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir en panne et je suis nulle en impro. Et les étudiants ont vu mon affolement, ça a été un carnage. Bon, non, mais de toute façon, ça importe peu ce qu'on dit. Hein. Mmh. Le principal, on est là que pour faire la figuration. Tu soignes le ton et puis tu leur racontes une recette de cuisine, ça ferait exactement la même chose. Hein. T'as beaucoup d'expérience. On devrait peut-être en discuter, ça m'aiderait. Tu tomberais sous mon charme légendaire, je suis un homme marié. Dommage. Les hommes mûrs et responsables, c'est mon kiff. Oui, dommage. Je vais y aller parce que moi je suis pas rentrée. Vous voyez, toutes les montagnes derrière, c'était magnifique. Et après on s'est promené, on a fait des randos.